Patina Zakužia, dostupuje tedy šancami poradnou Patia Matěji Kuštyko. Já jsem pro lidi, kdy tam takovou špíra zapíra, Tina Zakužia, Tomis, Encinia, Ekizie Rozda. Bien, on reprend deuxième partie. Présentation de Matine, présentation de cette finale du trophée de Begios. Donc, qualifié pour cette finale au but Ekizia Rusta et Aritz Lekouna qui vont jouer en rouge. Et face à eux, nous avons Julen Marilus et Arnaud Rotsarene. Donc, vendredi, ils ont eu le droit de participer à cette finale. Deux parties différentes et qui peut avoir son importance puisque les rouges Ekizia Rusta et Aritz Lekouna ont gagné assez facilement contre Philippe Biel et Vincent Subiat. Ils n'ont pas trop puisé dans leur réserve parce que la partie s'est jouée assez rapidement. Par contre, les bleus ont dû batailler ferme pour remporter leur partie face à Matin Otsomendi et Antoine Leroux puisque cette partie a fini 40-37. Donc et avec des points très longs, une partie très acharnée. C'est vrai qu'à un moment donné, Arnaud Rotsarene, c'était assez compliqué physiquement pour lui, mais il a bien fini. Donc il faut voir comment les Bleus ont récupéré de cette partie de vendredi soir. Et il faudra voir si les Bleus auront assez d'énergie. Voilà. Après, en ce moment, nous avons, au cours de cette saison, un Ekizia Rusta qui a retrouvé son niveau, un niveau qu'il avait lorsqu'il est passé indépendant il y a quelques années, et lorsqu'il était amateur, c'est-à-dire qu'il avait des atouts qui lui permettaient d'accélérer le jeu, c'est-à-dire sa volée haute très percutante, un but lui avec une vitesse de course sur sa course d'élan, qui lui permet à la fin de rentrer dans les jambes. Et c'est vrai que vendredi, il a accéléré le jeu, il a fait beaucoup de points. Et derrière, Aritz Lekouna, très précis, très bon, et qui, au fil du fond, et qui démarre par un premier but. Alors lui, il ne se pose pas de questions, il démarre à fond, toujours très rapide dans son entame de partie. Et en face, on a quand même... donc finalement trois joueurs de Sarre, puisque Arnaud Rotsarene a été champion de France cette année pour Sarre, Julen Marilus champion de France deuxième série pour Sarre, et Aritz Lekouna pour Sarre également. Donc le club de Sarre est à l'honneur aujourd'hui. Et qui sert au stade au fil du fond, bien ramené par Arnaud Rotsarene. Il sert au stade à la planche, au petit palette, à Rotsarene vers le milieu, Lekouna, palette. Rotsarene, premier filet qui oblige le Sierra Rusta à taper de la gauche, Marilus de la main droite. Ah, l'autre qui s'écrase. Sierra Rusta volée haute, l'autre qui s'écrase. 2-0 pour les rouges. Et Sierra Rusta, et qui Sierra Rusta, qui fait partie du club d'Andai, Ndayarak, avec son compère Ugarte, qui va jouer lui demain à Urugne. Et qui s'y reçoit au but, mur de droite, ça monte, non, ça touche Echkin, bien ramené par Arnaud Rotsarene. S'y Rusta aux palettes, Julen Marilus, gauche sur la planche. Julen coupe, s'y Rusta, Artechari,
Arnaud Sarriné remet bien. Siarusa attaque vers la droite. Lekuna rend dessus, va tomber sur la volée de Marilous qui remet comme il peut. Siarusa au petit palette. Ah, gros pétio de Marilous sur le pelote. Alors c'est vrai que quand on est ambidex comme lui, presque aurait été une pelote à prendre de la droite. Et du coup, il a voulu prendre la gauche, se décaler un peu plus. Et du coup, il fait un petit pétio. C'est ça, c'est ce qu'il dit à son partenaire. J'ai pas la place de la gauche, il aurait dû la prendre de la droite. C'est pas grave. Siarusta au but. 3-0. Au filet du fond, pas l'étape. Bien remis de la part de Yohann Marilous, très bien tapé, poteau, très bien tapé, ouais, très bon retour, bien refilé, avec de la droite, lui qui est gaucher, qui a la particularité de jouer des deux mains, quelqu'un qui a un gros but de la gauche, et qui en volée haute joue de la droite, très belle volée haute. Attention. 1-3. Nous allons avoir Marilous au but qui va partir du 1. Il bute plutôt du milieu. Il va chercher à gauche, mais ça monte sur la planche. Aritz et Kona, bien tapé au filet. Et Marilous Petio. Bien tapé de la part d'Aritz et Kona. Donc les bleus ont peu de mal à rentrer de la partie. Aritz, lui, joue du joueur très précis. Très élégant à avoir joué, mais lorsqu'il est bien en jambes, très efficace dans son jeu. Siarusta tendu sur Marilous. Et non, ça lui échappe. 5-1. Siarusta va buter sur Marilous sur ce début de partie. Gauche-gauche, c'est ce qu'il refait, mais ça monte. Arotsarene en bas vers Siarusta qui remet de la gauche. Yulen sur Siarusta. Yulen coupe. Et en dessous. Non, là, début de partie difficile pour Yulen Marilous qui donne des points. Qui a du mal à rentrer dans la partie. Il faut qu'il trouve la confiance. Qu'il essaye de trouver de la longueur de jeu. De taper. Il ne faut pas qu'il essaye de faire des points trop rapidement. Qu'ils prennent confiance. 6-1. Siarusta, tendu, bien relevé par Arnaud Arotsarene sur la planche. Aritz au milieu, Arnaud, petit palette, et qui Siarusta sur la planche. Arnaud, palette. Aritz, Artechalé bien tapé. Arnaud remet bien, mais doucement. Que va faire Siarusta? Siarusta met de l'énergie, pique et fait le point. Ouais, bien tapé. Siarusta ne se pose pas de questions et joue juste. 7-1. Bon départ des rouges qui sont bien rentrés dans la partie. A contrario des bleus. Bien relevé, plus tendu, bien relevé par Arnaud. Aritz sur la volée haute de Yulen. Voilà, sur ces postures-là, Yulen Marilous est très efficace, mais Aritz et Kona remet bien sur la planche. Arotsarene sur la planche très bien également. Les Kona un peu au milieu sur la volée haute de Marilous, ça reste un peu vers la gauche. À nouveau, Siarusta tire et fait le point. Ouais, bien joué. En grande confiance en ce moment avec Siarusta. Capable de délivrer des points comme ça en contre, de tirer à droite. Et du coup, il coupe le jeu. Il joue parfaitement bien son coup. Il est capable de jouer en contre, de perturber le jeu. À ce moment, Siarusta est en grande forme. Siarusta tendu sur Marilous, bien relevé par Arnaud Arotsarene. Siarusta Artechalé, bien relevé par Marilous. Siarusta aux palettes. Ok, Marilous remet comme il peut sur la planche. Aritz, Artechalé, bien tapé, et fait le point. Ouais, on sent les rouges qui mettent énormément de rythme. Les bleus
n'arrive pas à prendre le mur. Et donc pour l'instant, c'est difficile pour les Bleus. 9-1. Bon, ça va revenir, ça va venir. Si Arosta au but, il aurait buté à gauche. C'est ça, c'est ce qu'il fait. C'est remis par Marilous. Si Arosta doucement au filet, ouais, il joue juste. Il tire à droite. Marilous bien tapé, ça. Et il fait le point. C'est ça. Les Bleus, vendredi soir, avaient mal démarré également. Ils perdaient 9-1. Là, ils font un petit peu le même début de partie. Ce sont des garçons qui ont beaucoup d'énergie, qui ont besoin de prendre confiance, surtout le jeune Marilous. Il est jeune, il a 20 ans. Arnaud Retsorena, lui, garde son calme et est capable de bien gérer une partie, de bien accompagner. Et en face, on a un Lekuna aussi qui est sûr de lui. Et c'est Arosta qui mène bien son jeune partenaire. Marilous au filet du fond. Eshkin. Bien, là il ne s'est pas trompé, ça va au filet. C'est ça. Tout à l'heure, il avait voulu la prendre à la gauche. Là, il s'est bien décalé, prendre à la droite. Et on a vu encore que si Arosta ne se pose pas de questions sur le palette, il tire le mur. Il cherche à tirer et à faire le point. But au filet du fond de Marilou, c'était pas mal, ça venait vite, mais ça touchait Eshkin. Yulen Marilou au but, qui part du milieu. Plus tendu cette fois-ci, ça va toucher Rebote. Et Lekuna, remise bien, joue la planche. À Rotsarele, pareil, la planche. Lekuna précis sur la gauche de Yulen. Si Arosta, lui, sur des palettes comme ça, se débrouille rapidement bien. Bien, Arnaud a bien remis. Et Yulen directement dans le filet. Et pelote qui aurait dû être pour Rotsarele. Et Marilous prend la pelote. 10-3 pour les Rouges. Si Arosta part de la gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va buter gauche-gauche. Pour le mur de droite, à voir. Si Arosta, gauche-gauche, mais sur la planche. But facile. Arosta-René, tire les deux murs. Bien sorti par Lekuna de la gauche. Arosta-René aux palettes. La laisse au milieu. Lekuna bien tapé, pompé, charré. Marilous au pan coupé. Un peu haut, mais ça vient vite. Si Arosta n'en profite pas, ça vient vite. Arosta-René, bien tapé la planche. Aritz tout droit au filet. Bien remis de la part de Yulen. Arosta-René, Arnaud au premier filet. Et qui a eu tendance à reculer. Puis finalement, la pelote est restée au premier filet. Se retrouve un peu en retard avec sa main gauche. Et Pétio. 4-10. Voilà, il faut que les joueurs rentrent dans la partie petit à petit. Et au fur et à mesure, ça va venir, le jeu va s'équilibrer. Ça va vite ici, donc il faut bien s'acclimater, pas trop forcer. Marilous au but. Part du milieu. Filet du fond. Et ça monte sur la planche. Un peu coincé à Ritz, non. Pas coincé du tout, bonne planche. Arnaud, tout droit, bonne planche également. Aritz laisse un peu au milieu. Bonne planche d'Arnaud Rautzarene, Lekuna. Pompé Chalet sur Marilous qui coupe au pic et fait le point. Ouais, on sent là donc là les deux arrières qui se jouent l'un et l'autre, qui essaient de jouer loin. Et au final, c'est Aritz qui vient chercher un petit peu le pompé chalet. Et là, Yulen Marilous, qui est gaucher, coupe bien et au pic. 5-10. Les Bleus reviennent. Donc le trinquet est plein comme un œuf du monde ici. Très belle ambiance dans ce trinquet de Bigos. Marilous du milieu. Au filet du fond.
bien sorti. Très belle volée de Lecuona qui sort très très bien cette pelote. Remis comme remis par Arnaud, accélération de Eki. Et Arnaud veut jouer les deux murs, mais il y avait de l'effet sur cette pelote. Et du coup, ça lui échappe. 11 à 5. Annika, ta porte. 11 à 5. Si Arusta est prompt à accélérer, lui, en volée haute, c'est son point fort. Il est capable de tirer à droite, mais d'accélérer également sur la planche. Là, il part de mur, il part de la gauche pour buter. Au filet du fond, ça va toucher le palette. Pour le difficile, bien remis par Marilus. Lecuona, Artechari, bien tapé. Un bond sur la planche. Bien remis par Arozzarene. Qui fait jouer Siarusta de la gauche. Non, Arozzarene veut poser, mais ce n'était pas très bien joué. Aritz Artechari, bien tapé, bien remis par Arozzarene. Siarusta sur la planche. Arnaud sur la planche. Aritz a de la place sur la planche, mais ça ne touche pas le mur. Arnaud tombe sur la volée haute de Eki, qui remet sur la planche. Bonne planche d'Arnaud à Arozzarene. Les corners vers le premier filet. Marilus de la gauche qui laisse la pelote au milieu. À nouveau de la gauche. Aritz se tire à droite, mais Arozzarene était là, avait bien vu. Dégage la pelote, difficile pour les corners qui va faire le point. Ouais. Arnaud Arozzarene lit bien le jeu de Aritz et Kona. C'est bien comment ça se passe. Et du coup, bien vu. On voit qu'Arozzarene est bien là. Lui, il est bien en train de la partie. Les Kona est pas trop mal aussi. On sent que les deux arrières se connaissent bien. Pour l'instant, Eki Siarusta est capable d'accélérer. Et Yulen rentre dans le jeu au fur et à mesure. Ne fait plus de fautes. Lui, son point fort, c'est cette volée de la droite. Pour l'instant, il n'utilise pas trop. Il prend de la gauche. But de Yulen vers la gauche au palette. Et Siarusta remet. Arozzarene. Ah, ça touche la palette, mais c'est compliqué à ramener. Oui, bien ramené quand même pour les corners. Bonne volée haute de Yulen de la droite. En bas, ça accélère le jeu. Arozzarene. Au premier filet, Siarusta remet de la gauche. Petit pic. Petit pan coupé, il a remis, bien joué, et c'est le point. Faute, Lecuona lâche la pelote à la volée haute. Très joli point, bien dynamique. Si Arusta comme Marilus ont tenté des choses qu'ils ont réussi, et au final, c'est Arnaud qui profite d'une bonne pelote et qui joue juste. Et les Bleus se rapprochent petit à petit, 7 à 11. Marilus au but, milieu de trinqué. Mur de droite, bien buté. C'est le point, ça. Très bien buté. Sorti avec 8, 11. Premier but pour Marilus. Alors, le mur de droite, jusqu'à présent, il butait au filet du fond, et c'est vrai que lui, quand même, il est gaucher. Mur de droite, premier but, 8 à 11. Et là, il part gauche-gauche, petit pic, c'est relevé par Siarusta, mais bonne pelote. Non, Arozzarene n'en profite pas, les corners au premier filet difficile, non, ça monte sur la planche. Pic, ça se sentait. Cette planche tendue avec de la vitesse dans sa frappe, hein, Aritz. Et du coup, on sentait que ça venait au pic. 12 à 8. Siarusta au but, qui change un peu sa course d'élan. Non, il reste à gauche. Il va buter vers le mur de droite. Ouais, c'est ça. Arozzarene prend la volée très bien. Ça, ce sont les qualités qu'ont ces jeunes qui sont capables de prendre à la volée en sortant du mur. Aritz, bien tapé d'Arnaud, bonne planche, Aritz remet au milieu. Yulen, grosse volée haute, ça va vite. Aritz remet de la gauche. Yulen
grosse volée haute à nouveau, accélère le jeu. Si Arosta remet sur la planche. Arosta renaît la planche, ça vient coincer à Ritz, mais non, c'est bien remis. Arosta René suit bien son avant, gauche-gauche. Bien tapé par Aritz sur la volée haute de Yulen. Ça va vite. Voyons que va-t-il faire de la gauche. Bien tapé ça, gauche-gauche. Bien sorti par Aritz. Yulen shoot à mano. Mais Aritz se remet comme il faut. Palette d'Arosta René. Aritz joue sur son avant. Non, ça reste au milieu. Arosta René au pompé chalet, bien tapé. C'est Arosta de la gauche. Marilou tire à droite, ça vient vite, mais Aritz remet au milieu. Arnaud, Artechalé, Aritz remet au milieu. En bas pour Arosta René, si Arosta remet sur la planche. Arosta René durcit le jeu, joue la planche, en coupé, bon point, dynamique. Arosta René en bas, toujours fait jouer si Arosta de la gauche. Marilou, Artechalé. Si Arosta remet bien, Lecuona remet bien. Planche, ça va faire un grand palette. Voyons Lecuona, joue les deux murs. Mais Marilou s'en sort. Et qui tire, Medales au milieu. Arosta René tire. Lecuona est là. Ah, point, premier point difficile. Qui va gagner ce point? Point important pour le mental. Arosta René, bien tapé sur la planche. Oh! Un faux rebond, mais elle est bonne. Yulen a bien tapé sur la planche. Il coince Aritz au fond, qui ne remet pas. Et au final, Aritz, il est qu'il avait la place. Point dur. Premier point avec beaucoup d'intensité. Où les deux arrières ont défendu, se sont accrochés. Les avant ont accéléré le jeu. Marilou s'accélère le jeu. Parfois, c'est. Ça touche pas comme il veut, mais ça va tellement vite que les adversaires n'en profitent pas. Et Arosta René joue bien parce qu'il fait jouer si Arosta de la gauche. Et si Arosta de la gauche remet vers la droite, ce qui permet à Marilou de rentrer dans le jeu. Et après, les deux arrières, pour l'instant, font une bonne partie. Lorsqu'ils profitent de leur bonne pelote, joueur Téchalé la plupart du temps. Et quand ils sont en difficulté, essayent de remettre sur la planche. Donc on est bien. Et on est à 9 à 12. Marilou au but. On part plutôt du milieu gauche. Tout droit au filet du fond. Palette. Si Arosta tire le demi-mur. Si Arosta l'a volé, accélère le jeu. Marilou s'accélère également. Et Kuna au milieu. Deux murs d'Arosta René. Ah, Lecuona bien. Ouh, c'était juste. Arosta René, deux murs. Gauche-gauche, dire si Arosta. Non. Et Arosta René, là, a voulu taper. Et avec un peu d'effet, ça lui a échappé. Il n'était pas très bien placé, finalement. 13 à 9. Et qui gère les points. Gauche-gauche. Si elle resta au but, tout à l'heure il avait été reparti pour buter par le mur de droite. Et Arosta René s'était bien planté et avait pris à la deux volées avant que ça rebondisse au sol. Voyons comment il part. Et qui s'y Arosta part toujours de gauche. Et il va buter tendu maintenant. Et Arosta René rentre bien latéralement et remet à gauche. Hein? Lecuona au milieu, touche un peu moins bien que vendredi soir. Arosta René, palette. Lecuona sur la planche. Arosta René, palette à nouveau. Lecuona bien tapé. Ça reste quand même au milieu. Arosta René au poupé chalet. Si Arosta. Attention, si Arosta tire à droite. Arosta René remet, mais ça reste une belle pelote pour Eki. Il va traverser le trinquet, ça touche les rebotes et bien remis par Arnaud. C'est Arosta qui attaque, fait du jeu, petit pic, et oui, fini à faire le point. Si Arosta est capable voilà, d'attaquer, de varier son jeu, lui il est prompt à rentrer à la volée pour accélérer, pour tirer. Il fait bouger ses adversaires.
Et ça permet à son équipe de reprendre un peu le large. On est à 14-9 pour les rouges. Voilà, ça discute pas mal. Chaque équipe s'encourage. Recherche à voir un petit peu comment il faut jouer. C'est Arustat tendu sur Marilous qui renvoie, qui refile bien. Ah, Lecona a voulu tirer. Il était un peu loin, il est quand même au cinquième filet. Même si la pelote était bonne. Mais la précision n'était pas là. 10 à 14. Marilous au but. Il a fait qu'un but, c'était par le mur de droite. Pour l'instant, il n'insiste pas trop par le mur de droite. Dommage. Parce que pour lui, il continue à repartir de droite là-bas. Attention. Il pute vers la gauche, sur la volée haute de Sierra Rusta. Arotsarene, bonne pelote, c'est bien tapé, ça rentre pas, ça touche Echkine. Bien remis par Lecona. Là, il tape en bas, c'est bien tapé aussi. Bien remis par Lecona. Accélération de Marilous à la volée. Lecona sort la pelote. Marilous, ça reste aux palettes. Arotsarene, milieu. C'est Arusta doucement sur la planche, ça va coincer Arotsarene derrière. C'est bien remis. C'est Arusta coupe, c'est bien remis par Marilous. Lecona vient chercher. Arotsarene sort de la gauche. C'est Arusta, bien tapé sur la planche. Pas difficile pour Arotsarene, bien. C'est Arusta accélère le jeu, prend la volée, c'est bien remis. Il pose, ouais. S'amuse. Il intercepte, il y va. Il essaye à faire du jeu. Et c'est Arusta pour l'instant sur ce jeu est le plus fort et fait des points. 15 à 10. Et qui est au but, hein? 15 à 10 pour les rouges. La partie s'équilibre. Chacun avec ses forces. Siarusta au but. Tendu. Bien remis par Arotsarene. Allez, rebote. Siarusta. Bonne planche à la volée. Bien sorti par Arotsarene. Et Siarusta pose. Siarusta en grande confiance. Juste le coup avant, c'était de la droite et pose à la droite, droite. Et là, avec la gauche, pose gauche. Bien joué. Rien à dire, magnifique, très, très beau point de Sierra Rusta. 16-10. Et qui, voyons où est-ce qu'il va buter. Ouais, difficile. Arnaud lui avait dit, troisième but pour Eki. Arnaud avait dit Aïdé pour son avant. Son avant était un peu en retard, donc il laisse passer. Et du coup, Arnaud n'a pas réussi à ramener. 17 à 10, troisième but pour Sierra Rusta. À nouveau de la gauche. Par de gauche, où est-ce qu'il va buter maintenant? Toujours pareil, tendu. Yulen intercepte. Très bien. Et Kona, bonne planche. Ça va coincer un peu. Arotsarene laisse aux palettes sur Sierra Rusta qui va faire le point. Non, ça rentre pas. Ça reste aux palettes. Bien tapé par Arnaud Arotsarene. Rebote pour Aritz. Il laisse un peu au milieu. Yulen comme il faut vers le premier filet. Yulen remet de l'effet. Ça reste à gauche. Voyons, va-t-il profiter? Il tire à droite. Bien tiré. C'est bien sorti par Aritz. Il va aller au petit pic. Oula, ça n'est pas de chance. Ça touche la planche. Ça tourne. Et Aritz remet bien sur la planche. Arnaud, bonne planche également. Aritz coupe. Yulen tire. Lecona est là. Yulen au premier filet. Lecona est encore là. Ça reste au milieu. Lecona est encore là. Arnaud vers le milieu. Ah.
Petit palette. C'est serré. Bien tapé par Arnaud. Les corners remet comme il peut. Accélération de Marilos. Point qui va faire mal. Bien remis par Aritz. Palette. Arnaud au milieu. Messi Aroustan n'en profite pas. Oh, petit Echkin et le point. Ouais, de chance. Et oui, pour l'instant, ce sont les rouges qui font des points, qui arrivent à faire ces points longs. Alors que les bleus secouent bien la pelote. Leur père, il faut pas que les bleus s'énervent. Il faut qu'ils soient patients. Parce que malgré tous leurs efforts d'accélération, on va payer. On sent que malgré tout, Aritz et Kuna comme équipe se fatiguent aussi. Hein. Donc voilà, tempo. Et ça reprend. Donc on est à 18 à 10 pour les rouges. Voilà, petite pause. C'est un point très intéressant. Les rouges en défense ont malgré tout réussi à faire le point. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire qu'ils sont présents, ils sont prêts. Et au final, ceux qui font le point, bon, un peu chanceux, bien sûr, avec un Echkin, mais ils ont remis les pelotes. Si Arousta a un problème de pansement, pour ça que la partie n'est pas reprise. Ça va repartir. Animaux. C'est parti. Sierra sort au but, mur de droite. Marilous rentre bien à la volée, très belle volée. Pompé Chaledeki, Marilous coupe. Coupe un peu plus haut. Les Kuna, bien tapé sur la planche. Arnaud Rotzerné à la place et remet bien sur la planche. Bonne planche. Les Kuna, bien tapé vers le premier filet, ça monte. Rotzerné planche, les deux arrières se jouent. Et c'est les Kuna qui donnent la bonne pelote, voyons. Arotsarene tire, bien joué. Bien joué. Voilà, les deux arrières se sont cherchés et au final, c'est Aritz qui laisse la pelote au milieu et Arnaud conclut magnifiquement ce point par un pan coupé. Ah, stratégiquement, c'est sûr que les deux arrières vont essayer de se jouer. Deux joueurs du même club qui chacun veut montrer qu'il est supérieur à l'autre. Et là, c'est Arnaud qui a profité de la bonne pelote de laissée par Aritz. Marilous au but. Marilous qu'un but. Vendredi, il en avait mis 13. Capable de faire des points. Il bute vers le filet du fond, mais ça reste au palette, c'est dommage. Eki au pompé charré. Yulen avait de l'effet, mais ça reste là. Lekoun à Arte Charré. Mais ça reste pas assez à gauche. Arnaud remet vers la gauche, bien. Arnaud, on dirait que la pelote est un peu plus vive. Bonne planche d'Arnaud. Aritz remet bien. Joue juste sur la planche. Arnaud, toujours pareil. Mais ça reste au petit palette. Aritz laisse au milieu, un peu en retard. Mais Arotsarine n'en profite pas.
Les corners, bonne planche, ça va tourner. Non. Prendre de la gauche. Là, il va rentrer. Siarusta, c'est là où il est bon. Yulen remet comme il peut. Les corners, premier filet sur Marilos. Attention. Siarusta, bien remis par Rotsarené. Un bon sur la planche. Voyons, Ritz, bien tapé, sans forcer. Ça va tourner, par contre, petit palette. Bien remis par Rotsarené. Les corners, Siarusta accélère. Rotsarené remet. Siarusta au petit palette. Marilos dégage et fait le point. Ouais, c'est bien. Marilos profite de ce petit palette. Siarusta joue court, mais sur la patte gauche de Marilos. Et du coup, de là, lui, il est capable de traverser le trinquet. Il faut qu'il se règle un peu au but maintenant. Et on est à 12 à 18. 12-18. 12-18. Siarusta dit à son partenaire, joue droit. Il cherche l'artéchalet de temps en temps. Marilos au but. Il va chercher le filet du fond, mais il reste toujours aux palettes. Et Siarusta n'en profite pas. Rotsarené tire à droite. Lekona était là. Rotsarené à la volée, mais comme il peut. Siarusta rebote. Rotsarené remet comme il peut. Siarusta sur la planche. Arnaud reste là au pompé chalet, joue sur la gauche de Siarusta. Que va faire Marilos? Bien tapé, Arte Chalet. Fait jouer Lekona de la gauche, plot difficile. Bien tapé par-dessus, c'est bonne pelote. Lekona remet comme il peut. Bien tapé, ah, ça rentre pas, ça reste aux palettes. Ah, c'est bien joué. Siarusta veut tirer. Rotsarené, Arte Chalet. Bien tapé par Lekona en volée haute. Ah, Rotsarené aux palettes. Lekona, oula, à moitié péto, mais Marilos remet comme il faut. Siarusta tire. Bien, c'est bien remis. Attention, que va faire? Bien. Siarusta s'amuse un petit peu. Il fait bouger. Bien remis par Arnaud. Bon point. Siarusta s'amuse. Il va se faire châtier, non? Lekona laisse là. Aïe, 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 c'est dommage, les buts en deux. Oh là, repéto. Lekona fatigue un peu sur ce point. Il y a eu deux pelotes, deux bonnes pelotes pour les Bleus, pas profité. On n'a pas réussi à profiter. Après, Siarusta s'amuse un petit peu devant, là, à vouloir poser. Et du coup, ne profite pas des bonnes pelotes. 13 à 18. Et les Bleus s'accrochent. Les Bleus s'accrochent. On a senti là à Ritz sur ses deux dernières frappes un peu en difficulté. Et les Bleus s'accrochent sans être très performants dans ce qu'ils font pour l'instant. Mais ils sont là, ils s'accrochent et ça fait le point au final. Yulen au but. Mur de droite aux palettes. Bien remis par Siarusta. Arnaud, ça reste au petit palette en bas là-bas. Siarusta. Palette haut, bien suivi par Rotsarené, petit pic. Siarusta tire encore et Rotsarené traverse trinquet, ça va monter. Lekona ne remet pas. Il y a eu un effet au-dessus de la planche et Lekona ne la prend pas bien. Et du coup, ça revient 14 à 18. Ouais. Et qui s'amuse un peu? On sent que la partie prend une autre tournure. Là, les rouges avaient dominé jusqu'à présent, mais là, c'est les bleus qui reprennent petit à petit le point. Marilos, le but sur la volée de Siarusta. À nouveau sur la volée de Siarusta. Marilos tire et fait le point magnifique. Donc là, ça c'est son coup majestueux. En volée haute, là, quand il décroise, il a quand même une force de frappe incroyable. Et c'est vrai que quand ça part bien, là, c'est le point. Et ça revient à 15 à 18. 3 points. 3 points. Et là, les rouges commencent à se poser des questions.
but pour Marie-Douce. Du milieu trinqué, vers le filet du fond. Non, ça fait palette. Sierroustat remet bien. Marie-Douce remet bien. Sierroustat dégage de la gauche. En haut de sa rainée, bonne planche. Coince les Kouna au filet du fond. Bien remis par les Kouna. Bonne planche. En haut de sa rainée, bonne planche également. Arrive au milieu. Oh là, drôle de bon. Mais c'est bien tapé quand même. C'est remis. Attention, les Kouna. Tire à droite. En haut de sa rainée est là. Joue au premier filet. Oh là, elle est bonne. Elle est bonne, mais ça va être le point. Non, en haut de sa rainée remet de la gauche. Les Kouna en bas. Yulène coupe à sa gauche. Et c'est remis. Donc là, on voit des choses un peu bizarres, pas très académiques, sauf cette planche de Les Kouna. Bien remis par Arotsarene. Bien tapé, petit pic. Ah, je ne sais pas ce qu'il va donner. Sierroustat qui accélère à la volée. Je pense que c'est le point pour les rouges. 19 à 15. Les bleus, deux ou trois fois, c'est vrai que Marie-Louise vient chercher pour aider Arnaud. Et au final, hein, il n'a pas profité de la pelote qu'il pouvait. On sent que les points sont durs malgré tout, que les deux équipes, les joueurs fatiguent un petit peu. On sent le souffle court un peu de temps en temps pour Aritz et Kouna, mais également pour Arotsarene sur ce point-là. Sierroustat met du rythme en prenant beaucoup de pelotes à la volée, donc il y a beaucoup de courses. Et puis c'est vrai que Marie-Louise, lorsqu'il a la bonne pelote, lui également accélère le jeu. Même si parfois ça reste pas là où il voudrait, mais ça touche les murs, il faut y aller. Donc beaucoup d'énergie dépensée de part et d'autre. Et on se retrouve à 19-15 avec une partie qui est plaisante à regarder. Peu de buts pour l'instant. Marie-Louise a un but. Sierroustat a 4 buts. Sierroustat part de gauche, on va chercher le mur de droite. Non, mauvais but, mauvais bon, je veux dire. Et donc il a la place, Arnaud. Et Arnaud remet bien sur la planche. Aritz, bien tapé. Accélère le jeu sur la planche. Changement de pelote qui m'a l'air un peu plus vive. Aritz vers le premier filet, bien tapé. Non, ça monte sur la planche. Arnaud remet bien, ça reste au milieu. Bonne pelote pour Yulène qui tire. Mais les Kouna est là et rebote. Non, ça reste au milieu. Rôle d'effet. Bien tapé par les Kouna. Ça va faire rebote. Bien remis par Arotsarene. Bien tapé de la part de Sierroustat qui accélère le jeu. Bien remis. Ça va toucher Pancoupé, non? Non. Bien tapé. Ça reste en bas. C'est difficile. Il pose. Il repose. Et le point pour Marie-Louise. Arotsarene a sorti des pelotes incroyables, très difficiles. Sierroustat pose. Et en contre, Marie-Louise repose au pan coupé. Et qu'on a bien joué, deux, trois bonnes frappes là. Et Arotsarene s'accroche et sort les pelotes qui étaient des pelotes très compliquées. Changement de pelote à nouveau pour Marie-Louise. C'est vrai que cette pelote avait de drôles de rebonds. Pas toujours très droit. Elle avait l'air plus vive, mais pas toujours très droit le rebond. Hein, Marie-Louise part de gauche, il va buter mur de droite. Il essaye, mais ça reste aux palettes. Il souliane, oui, ça tourne. Deux murs vers Arotsarene. Sierroustat est bien, mais ça reste au milieu. Arotsarene au chilo. Et Sierroustat sort la pelote. Yulène vers la droite, ça vient vite. Mais les Kouna remet à gauche. Arotsarene. Les Kouna, bonne planche. Arnaud de la gauche en difficulté. Sierroustat, bien tapé. Artechalet, non, ça monte sur la planche. Arotsarene coupe un peu. Bien tapé par Marie-Louise. Voyons, Marie-Louise. Non. Mais il fait presque le point. Non. Attention, Arotsarene, Artechalet. Les Kouna à la volée, ça reste au milieu. On sent les joueurs fatigués. La partie de vendredi n'est pas très loin. Voyons, Marie-Louise.
s'accélère et il fait le point. Et il fait le point. Et on sent que les deux arrières, par moment, sortent les pelotes. Mais on sent que c'est dur. Et c'est vrai que les avants, que ce soit Sierrousta ou Marilous, dès qu'ils mettent un peu de rythme, font des points. 17 à 19. Tempo pour les rouges. Bien. Voilà, ça va reprendre bientôt. Donc, le temps de vous annoncer un petit peu les parties. Demain, au Trinquet-Garat de Saint-Jean-Pied-de-Port, levé de rideau avec l'équipe de la Goiseco Isara, Santa Maria et Etchemendi contre Iribarne de l'Andois Batasparin et Dualde. Et à la suite, Biscobiluro contre Olsomendi et Subiat. Demain, à Urugne, Challenge d'Urugne, les demi-finales. Nous allons avoir Hospital Ugarte contre Echeverry Maxime et Ducassou. Et ensuite, nous allons avoir Laral de Guichandut contre Bidondo Saint-Paul. Première partie à 16h30, deuxième partie à 18h. Et la finale à La Ressort où nous allons avoir en finale Teyuri Laral contre Enchospé Parachu. Levé de rideau à 17h. Et à mercredi, finale du challenge du Rugne, cher à la famille Kuruchaga. Et là, levée de rideau par le club du Rugne. Et ensuite, première partie à 17h, mercredi prochain. Voilà. Le mois de septembre est toujours un mois très dynamique au niveau de la mer Nutrinquet, puisqu'ensuite nous allons voir le tournoi de Sarre, le tournoi de Mendionde, le tournoi de Garender et le Masters de Villefranche. Allez, c'est reparti, 17-19, on sent que la partie est serrée, du beau jeu, trinquet rapide ici, petit trinquet rapide, les techniciens que sont Sierrousta et Arrozzarene se régalent, elle est bonne, bon but gauche-gauche, remis comme il pouvait par Sierrousta, à Artechale d'Arrozzarene, Aritz remet, elle est bonne, hein. Marilou sous palette, Aritz avec de l'effet, elle est bonne, et qui est en hauteur, Arnaud Arrozzarene au milieu, voyons si les Kona qui est tendu, mais ça reste au milieu, Arrozzarene serre le jeu, oula, je croyais que ça est rentré, bien tapé de la part de Marilou sur la planche, attention, là il est costaud, et oui, il accélère, voyons, la même, il ne se place pas trop, c'est dommage, il tombe sur la volée de Sierrousta. Qui accélère le jeu, Arnaud remet bien. Ah, Sierrousta palette. Marilou se coupe. Sierrousta y va. Lekuna, bonne planche, ça va faire rebote. Arnaud tire. Il y en a un peu marre ces jeunes-là. Bien tapé par Marilou, attention ici. Bien tapé par en dessous, Lekuna. Bien remis en volée haute. Arnaud. Bonne planche, ça va au petit palette, non, ça fait rebote, elle est bonne. Eh non, il veut chercher à couper, c'est une pelote qui s'écrase, il faut qu'il remette de la pression sur ça, surtout que Aritz était en difficulté, c'est dommage. Après on sent que les organismes sont un peu fatigués, mais c'est dommage. 20 à 17. Les Kona sur une plot difficile derrière, là, sur les rebotes. Et sur ce petit palette, alors qu'il fallait retaper parce qu'elle n'était pas anodine, cette pelote, elle était quand même compliquée. Mais tout le monde est là. Les deux équipes sont au coude à coude. On sent que les deux arrières ont parfois un peu de mal, souffrent un petit peu.
On sent que si Arusta se touche pas mal la main aussi, je sais pas si elle la met très bien. Et voilà, et puis Marilou lui accélère le jeu. Parfois touche les murs, parfois un peu au milieu, parfois bien. Mais tout ce qu'il fait en tout cas, ça a de la vitesse et du coup ça secoue malgré tous les coups qu'on a derrière. Si Arusta au but. De gauche, mur de droite, c'est bien buté ça. Ça fait les rebotes. Ouais, c'est pas mal buté, ça tire un peu au sol. Bon but de Si Arusta. 21-17 et le quatrième but pour Eki. Si Arusta au but, rebuté par le mur de droite. Il a la longueur qu'il faut ici, même s'il bute dur. Ah non, il a salué échappé, il a fait un mauvais bond. Putain, il tire cette pelote au sol. Et Arnaud remet comme il peut. Allez, rebote. Yuren, bien tapé. Ça monte. Et bien remis par Lekona. Pelote beaucoup plus vive. C'est loupé. Pelote qui sort. Arnaud remet comme il peut. Bien tapé Perecki. Bien remis par Arnaud Rotsarené. Et qui accélère le jeu, dépasse l'avant. Arnaud remet comme il peut. Bien tapé malgré tout, ça va toucher le mur compliqué. Bien tapé par les Kouna, ça va grand palette. Arnaud s'applique, bonne planche. Les Kouna va tomber sur la volée de Maridous. Non, ça reste au milieu. À nouveau en bas, ça c'est mieux. Il y a un Yulen Maridous de la gauche. Non. Ça reste au milieu, mais ça reste au milieu pour les Kouna aussi. Bien tapé, Marilos, les Kouna comme il peut sur la planche. Arnaud, non, ça reste en bas. Non, ça reste au milieu. Les Kouna au premier filet. Marilos, bien, ça coupe. Oula, elle est bonne. Elle est remis. Si Arusta, pompe chalet, c'est lui qui finit le point. Eh ouais. Celui qui a le plus d'expérience des quatre joueurs, là, et c'est lui qui est capable de, à l'heure actuelle, de conclure le point au bon moment. On sent Arnaud Rotsarené un peu en difficulté, là, en ce moment. Ça va être un petit peu le cas vendredi, et au final, il avait bien fini à la fin. Et Lekouna, lui, pour l'instant, arrive à sortir la pelote, ne fait pas de faute. Arrive à couvrir en bas à droite, 22-17. Si Arusta au but, il faut que les Bleus raccrochent rapidement. Il ne faut pas les laisser partir. Mur de droite pour Si Arusta. C'est ça. Marilous à la volée haute, rapide. Bien tapé ça par Marilous. Lekouna bien remis. Difficile. Ouais. De la gauche, Eki. Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Ça rentre pas. Harit, c'est bien tapé. Ouais. Magnifique. Ouais. Haritz a repris de l'énergie là, et recommence à jouer juste. Le coup d'avant sort une pelote difficile. Et sur cette belle pelote, tendue, rentre au premier filet, bien joué. 23-17. Les Bleus se posent quelques questions, ils font pas de points. Ils se demandent un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent faire pour faire des points. Il faut être patient. Si Arusta au but. Ça va faire palette. Difficile. Ouais. Il n'est pas venu la chercher. Ça reste au pic. Un peu raide. Ah, c'est dans le mouvement. 24-17. Et les rouges reprennent un peu d'écart. On sent les rouges un peu plus sereins. Un peu plus puissants sur cette période de partie. Les Kouna retrouvent de l'énergie. Et si Arusta conclut les points et met quelques buts au bon moment. Si Arusta au but. Tendu, ça va faire un rebote. Arnaud remet bien. Haritz, bien tapé. Plot difficile, bien remis. Arnaud, la planche à nouveau, bien tapé. Haritz de la gauche. Oui. Bonne plot pour Marilous. Qui traverse le trinquet. Ah, ça rentre pas. Et les Kouna ne remet pas.
C'est ça. Avec le pet qu'il a, ce jeune Marilou, s'il est capable de traverser le trinquet. La plot, elle tire. C'est une plot beaucoup plus vive. 18 avec 4. C'est une pelote qui sort. Les jeunes voulaient changer la pelote, mais le coach derrière, Olivier Arozarena, père du joueur, dit garde cette pelote parce qu'elle tire au sol et il peut mettre des buts, Marilous. Et c'est vrai qu'il est capable de mettre des buts. Voyons, il va partir de gauche pour buter vers le mur de droite. Voyons s'il va être précis. Entendu, ça va venir vite. Oh, bien sorti par les Kuna. Marilous, tendu. Ça monte sur la planche. Donc, ça renaît sur la planche. Les Kuna, bonne planche. Arnaud, non. Arnaud lâche la pelote. Petio de Rozzarene, 25 à 18. C'est Arusta au but qui part de la gauche. C'est Arusta. Mur de droite, ça va faire palette. Non, Arusta prend la volée, c'est bien fait. Les Kuna. En bas dans les jambes. Oh, palette. Oh, à moitié loupé par Arusta. Les Kuna retapent bien. Très bonne période pour les Kuna là, qui jouent très juste. C'est Arusta. Eh ouais. Rebote. Et bien tapé de la part de Sierrousta. On sent les bleus, les jeunes un peu impuissants. Sierrousta qui coupe, qui pique. Et les Kuna qui assurent. Et oui, qui Sierrousta qui dit que c'est une bonne pelote pour les Kuna. C'est vrai, qui tape bien cette pelote. C'est une bonne pelote pour les Kuna. Les Kuna touchent bien. Les Kuna touchent bien. 26 à 18. Mur de droite pour Sierrousta. Ça tire au sol. C'est bien remis par Rozzarene. Sur la planche. Les Kuna. Bonne planche. Rozzarene. Bonne planche. Ça rentre pas. Ça fait les rebotes. Aritz bien sur la planche. Rozzarene. Bonne planche. Aritz. Un peu loupé, ça reste là. Arozarene, bonne planche, mais Aritz à la place. Bien tapé. Non, ça touche Eschkin. Ça reste au petit palette pour Arnaud. Non, palette pour qui? Arnaud, Artechare. Mais ça monte sur la planche et les Kuna remet. Arnaud, bonne planche d'Arnaud qui oblige Aritz à taper les murs, c'est bien fait. Attention, Sierrousta, non, en palette. Arnaud a du mal à pousser, ça reste là. Aritz dans les jambes de l'avant, bien remis par Arnaud par contre. Aritz et Kuna bien tapé, non, ça touche la palette. Arnaud bien, la planche. Aritz, toujours bien placé. Ah, ça touche le pic du palette. Arnaud, grand palette, ça sort, voyons. Ah, palette des deux arrières. C'est Arozarena qui joue la planche, qui joue le plus juste sur ce point. Aritz ramène comme il peut. Voyons, Yulen accélère à la volée. Ça va venir vite. Et il s'en sort. Oui, il s'en sort. Yulen, gauche-gauche sur la planche. Il y a de l'effet. Aritz doucement. C'est Arusta va faire le point. Non. C'est Arusta intercepte au premier filet. Elle est bonne. Encore Arozarena intercepte. C'est Arusta, non. Les Kuna, difficile en bas. Oui, il s'en remet comme il peut. Attention, Arozarena, bien tapé. La planche. Petit palette. Et Aritz, fatigué. Ne peut pas remettre. Beau point. Point serré. 19 à 26. Arozarena qui dirige bien son jeune avant. Et qui au final mène bien, a bien mené sur ce point. Ils ont bien défendu les deux. On pensait que si Arusta allait faire le point, il a eu deux ou trois occasions en volée haute. Mais les Bleus ont bien défendu. Et au final, c'est Arnaud qui retrouve de l'énergie et qui met une bonne planche.
Marie-Douce au but. Part de gauche. Va chercher le mur de droite. Non, il loupe dans la main. Ça reste la même. Bonne volée haute, ça va vite. Voyons, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Bonne planche. Eh non, ça monte en haut. Ah, deux murs d'Aritz, bien tapé, bien remis. Encore, ça monte. Et elle est fausse. Ouais. La bonne pelote n'a pas été profitée par, par Yulen Maridos qui tape bien, mais un peu trop fort sur la planche. Et par contre, Sierrosta, lui, maîtrise bien sa frappe. 27 à 19. Sierrosta discute avec son partenaire. Le Kuna récupère. On a fait un bon passage pendant 10 points là. Mais les points sont durs, donc ça peut s'inverser. On ne sait pas encore. Attention, Sierrosta au but. Sierrosta vers le mur de droite. C'est ça. Difficile. Bien remis par Rotsarene, très adroit. Pas évident. Il avait avancé, il a reculé. Lekuna, bonne planche. Arnaud remet. Lekuna aux palettes. Arnaud vers le premier filet. Ah, ça rentre, ça rentre pas. Voyons, Yulen, et au premier filet, mais ça rentre pas non plus. Ashkin, Harit se remet au milieu. Arnaud Artechalé, Sierrosta qui remet vers la gauche. Bien tapé par Yulen, qui touche le petit palette et qui allez, rebote. Bien tapé gauche-gauche pour Yulen Maridos, bien remis par, par Harit Lekuna. Arnaud, frappe haute, bien remis par Lekuna, pas coupé, le pic, c'est bien sorti. Un peu plus de chance pour les rouges en ce moment dans les échequines, on va dire. Et Sierrosta fait le point en pan coupé pique. Ouais. C'est vrai que sur ce point, les bleus n'ont pas eu la chance. Et au final, c'est pas rentré pour eux. Et ça rentre bien pour les rouges. 28 à 19. Sierrosta finit le point. Il sait le faire par-dessus l'épaule comme ça, pan coupé pique. Lekuna a sorti deux pelotes très compliquées de la gauche. Et puis c'est vrai que les bleus ont eu des rebotes plutôt que ça rentre dans le filet. Ou des petits échequines. Allez. 28 à 19 pour les rouges qui semblent prendre un petit peu l'avantage. En tout cas, ont pris pratiquement 10 points. Un bon moment de la partie. Sierrosta au but, tendu, Yulen intercepte, bien, Lekuna aux palettes, Arnaud, un peu en hauteur, Lekuna sorti de la planche, bien tapé, très bien tapé même, bien remis par Yulen Maridos, Sierrosta pique, et le point, il a voulu couper, compliqué quand il coupe comme ça, ça vient vite, 29 à 19. Qui tape. Sierrosta, lui, par-dessus l'épaule, pique sa pelote. Cherche le jeune avant et arrive à faire des points. Sierrosta, toujours très joueur. Allez, Sierrosta au but. Tendu. Yulen, non, ça lâche. 30 à 19. On sent que les rouges prennent un peu le large, que les bleus se sentent un petit peu impuissants. Et c'est eux qui commettent des fautes maintenant. Voilà. Ce que dit Arnaud Sarené, il ne faut pas les laisser partir, c'est sûr qu'il faut vite recoller. Et les bleus, par l'intermédiaire de Marie-Louise qui avait mis des buts vendredi, aujourd'hui n'a pas mis de but. Bien, bon retour d'Arnaud Sarené, latéralement. Directement au filet. 20 à 30. Ils se posent des questions, les bleus, mais ils s'accrochent. Allez. 20 à 30.
Voyons ce but pour Marilos qui pour l'instant n'arrive pas à toucher le mur de droite. Il est parti Yulen. Au filet du fond, mais ça monte sur la planche. À distance. Haritz, bien tapé, petit pic. Et le point. Non, c'est bon. Et qui accélère. Arnaud, comme il peut. Elle est bonne. Et qui en bas. C'est ramené par Yolène Marilous à gauche. Du coup, on a bonne planche. Arnaud, falta. Eh ouais. Ah, le problème là, c'est que le jeune Marilous n'est pas efficace au but. Et du coup, ils ont même un bon retour. Tiempo pour les Bleus. C'est reparti. Donc 31 à 20 pour les rouges. Les rouges ont pris une bonne avance. On sent qu'ils sont en confiance. Et les bleus recherchent des solutions qu'ils n'ont pas pour l'instant. Depuis 20 là. N'arrive pas à retrouver un rythme et un jeu qui leur permet de faire des points. Et si Arosta bute par le mur de droite, remis, il coupe. Bien remis par Marilous, les jambes, c'est bien ça. Petit palette de Arosta, grande palette d'Arnaud, les corners en bas, difficile. C'est bien remis. Voyons, petit palette, non, ça reste à les rebotes. C'est bien remis. Voyons, Haritz par en haut. Ouais, bonne planche. Arnaud, non, ça touche le mur, mais ça reste vers la gauche. Haritz en bas, Arnaud, bien tapé sur la planche. Haritz, bien tapé. Bonne partie de l'Ekouna, là, depuis 20 points. Et si Arousta attaque, Artechari fait le point. Ouais, l'Ekouna a repris le dessus. Et au final, Arnaud retombe souvent sur la volante de Arousta qui fait la différence. 32 à 20. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Echko Pilota. Vous aurez plein de parties de pelote, toutes les parties de pelote que nous avons en ce moment, en direct ou en différé. Et rebote, non. On sent que la partie est en train de s'échapper pour les bleus et que les rouges prennent l'avance. Et on sent que la partie se dirige assez rapidement maintenant vers la fin. 33 à 20. Il va falloir une réaction rapide. Il va falloir s'accrocher à nouveau. Le but était facile. Bien. Et non. Aïdé, ça prend pas, ça allait, ça rentre. Et non. Ah non.
Cowboy. Marca. A ver. On laisse passer le but, 34 à 20. Oula. Marilou se rentre à la volée, les Kouna dans les jambes, ça ne suit pas, bien tapé, 35 à 20. Ouais, les points défilent. 35 à 20. Très bien tapé de la part de les Kouna. Siarossa insiste à droite. Ils ont de bons retours. Tendu. Arnaud remet. Lekuna. Bien tapé. Artechade. Ça monte sur la planche. Arnaud remet. Sur la planche. Siarosta. Arnaud sur la planche. Aritz en bas. Pecchio de Marilous. Ça va rentrer. Oui, c'est bien sorti. Siarosta s'amuse un peu comme tout à l'heure, hein, à ce moment-là. Là, il accélère le jeu. Petit pic, mais il est là. Ça va au filet. Pic Lekuna, par en dessous, traverse le trinquet. Bien remis par Arod Sarené. Ritz aux palettes. Arnaud, du mal à remettre, mais c'est pas mal. Vers la gauche. Bien. Bien sorti par Ritz. Goulen. Ah, ça prend pas la place, ça reste là. Goulen, non. Ça, reste, ça monte sur la planche. Arnaud. Non, palette. Aritz. Palette aussi. Arnaud. Palette. Aritz. Palette. Petit palette. Arnaud coupe. Ça reste là. Et qui. Là, ça tire à droite pour Marilous. Difficile pour Lekuna. Bien. Bien tapé pour Marilous. Et non. C'est Arusta. Sort une plotte impossible. Attaque maintenant. Attention, Lekuna, que va-t-il faire? Par en dessous, ça va faire petit pic. Non, ça fait rebond. Ça. Pelote impossible qu'a sorti Siarosta. 36-1. On va être dans le chêne. On va être 36-1. Les rouges s'accrochent. Grosse défense des rouges. Et le Kouna est capable de traverser encore le trinquet. La dupette, bien tapé. Siarosta, mur de droite. Arod Sarené à la place. Bien remis. Sur la planche. Lyon. Ben. Non, ça touche le mur. Aritz au pan coupé. Moulin en bas. Siarosta défend. Ne lâche rien. Arnaud par en dessous, Aritz non plus, ne lâche rien. Et c'est Aritz qui est sur le point, non? Yulen remet. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle fait le point. Ça a frôlé le filet en haut, mais elle a été bonne. 36 à 20. Ah, 37 à 20, pardon. But tendu de Siarosta sur Marilous. Et point. 38 à 20. Huit points d'affilée, oui, c'était 30 à 20. 8 points d'affilée, me dit Charlotte, c'est exactement ça. Hein? Il mérite malgré tout de faire 25 points parce que la partie a été acharnée. Belle partie. Mais à partir, on va dire, de la mi-partie, les rouges ont pris le dessus. Sans doute par peut-être un peu plus de fraîcheur aussi. On sent que les points longs, c'est les rouges qui les ont faits. Que ce soit Ritz et Kouna qui a bien tenu le jeu, qui a allongé au bon moment et Siarosta qui a conclu les points. Et à l'inverse, les bleus ont manqué un petit peu de fraîcheur, sans doute. Et également de réussite. Ah, deuxième but pour Marilous. 22 à 36. À 38, pardon. Yulen, tendu. Siarosta sort. Il pose. Il fait le point. 23 à 38.
23h38, petite pause. Le monsieur le Salaberry, juge arbitre, vient essuyer le sol un peu trempe suite au plongeon de Sierra Rusta. Attention, Marido sur le but. Voyons, qu'est-ce qu'il va chercher? Voilà, le mur de droite, mais c'est bien remis par les Kuna, comme il faut sur la planche. Arnaud, palette. Les Kuna, bien tapé. Ouais, par-dessus l'avant. 39 à 23. Bien joué. Askena, Lanobia. 39 à 23. L'équipe rouge a dominé cette partie. Plus complète, plus de fraîcheur. Sierra Rusta attendu sur la porte. Arnaud remet comme il faut. Les Kona sur la volée de Yulen qui accélère sur la planche. Mais les Kona remet bien. Marilou se tire à droite, mais Sierra Rusta remet bien. Et non, ça reste aux palettes. Allez, rebote. Arnaud Artechalé. C'est le point. Ok. Non, mais malgré tout, même si ce point a été bien fait par Arnaud, malgré tout, les rouges s'accrochent sur toutes les pelotes. Et c'est là où ils ont été très très forts aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas donné de points. Au contraire, ils ont sorti beaucoup de points. Et à l'inverse, les bleus n'ont pas réussi à faire de points, conclure les points. Et en donné quelques-uns, mais c'est surtout les rouges qui ont fait des points importants. Ah, c'est un rooster en bas, mais qui a eu du mal à mettre la main. 25 à 39. Comme disait un ancien de Saint-Jean-Pied-de-Port, lorsque la partie arrive à 25, la partie est sauvée. Marilou au but. Tendu, ça vient vite. Ah, ça fait rebote. Sierra Rusta n'a pas voulu mettre la main. 26. Qui vient vite. On est en fin de partie. C'est vrai qu'on se dit, on n'a pas trop envie de mettre la main. Marilous. Tendu à nouveau. Mais là, Sierra Rusta met la main. Et Arnaud. Téchalé. Falta. Falta, les Kuna essayent de la remettre, mais c'est pas possible. Ça monte au filet en haut. Sursaut des Bleus, 27 à 39. Ils ne s'avouent pas vaincus, s'accrochent jusqu'au bout. Ça, déjà, c'est un signe intéressant et important de s'accrocher jusqu'à la fin. But de Marilous, posé sur la gauche, Falta. Sur la ligne qui coupe et sur la ligne. Il ne faudrait pas qu'ils arrivent à 30 les bleus parce qu'autrement les rouges vont commencer à se poser des questions. 28 à 39. Et on sait que le public va les pousser. Il faut voir jusqu'à quand. 28-39. Sierra Rusta vers le compteur. Il se dit bon, encore un peu de temps. But par le mur de droite, gros palette. Je ne sais pas si elle peut être bonne. Non, elle est fausse. Et qui n'a pas enroulé son épaule. 29 à 39. Marilous au but. Gauche-gauche, pas mal fait. Il fait le point. Non, il fait pas le point. Ah, il pose, c'est dommage. Et c'est le point. 40 à 29. Bonne partie et à bientôt.